dernière. Excuse-moi, chérie. Oui, dis-moi. T'aurais pas des invendus? Je suis vraiment gênée de te demander ça, mais j'ai faim. T'es un peu... Faut pas qu'on... Je vais voir ça et je te tiens. Merci, merci. T'es là? Laisse les paquebots, occupe-toi des papiers toilettes là. De ça là, occupe-toi de ça. Plus de ça, voilà. On a un magasin, on est le top 1 français là, tu fais ça. Range bien. C'est maximum 1. Oui, mais en fait, je vous explique. Je vais pas revenir durant très longtemps. Donc, je suis obligée de prendre 2 paquets. Mais je suis obligée de suivre les règles. Je peux pas faire comme bon vous semble. Oui, mais je suis obligée. Je ne peux pas. Mais c'est pas mon problème. Aller dans un autre magasin. Mais je ne peux pas. Non, et c'est pas accepté. 2 packs. Non, c'est trop loin. Là, je dois faire vite. Après, je dois reprendre le travail. Mais je peux pas. Je suis obligée. Non. Mais je suis obligée. Ah non. Appelez-moi votre responsable. Bah allez-y. Je veux appeler moi votre responsable, je veux pas. Je prends les 2 paquets, je ne peux pas. Excusez-moi, oui. Bonjour, je dois prendre. En fait, je vous explique. Là, je dois prendre les 2 paquets parce que je vais pas revenir pendant très longtemps. Et je ne pourrai pas faire un aller-retour juste pour encore un seul paquet. Donc j'ai dû prendre les 2. Voilà, et elle est en train de me stopper le passage et me dire d'aller acheter dans un autre magasin. Facile. D'accord, merci. Excusez-nous encore, hein, vraiment navré. Je prends rien avec lui, moi. Allez, 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 allez,
T'as une idée de combien de temps il nous reste? Hein, ça sert à quelque chose, tu sais. Pas d'eau, pas de nourriture. Ça va être un homme, ça va être différent. Comment ça, un homme? Comme la caissière, elle sert à rien, je ne vais pas calculer. Et vous pensez comme ça en plus? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle se marre devant moi en plus? Vas-y, rassieds-toi là, petite dingue. Tais-toi là, maintenant je vais parler. Vas-y, pars, vas-y. Tu t'es vu toi? Mais quoi, c'est moi qui te paye, c'est moi qui te paye. Dis-moi comment vous avez fait pour en arriver là? Ça te regarde pas, c'est moi qui te paye, tu devrais t'en arrêter là. Non, j'ai créé un truc qui fait que même toi t'es riche et tu viens dans mon supermarché. Vous toutes là. Parce que c'est le seul supermarché où il y a de l'eau, je t'explique. T'es venu? Ça va vous dégoûter. Alors rassieds-toi. Vous avez de l'argent, oui. Vous dépensez dans oui. Je sais pas quoi. Ouais, bah malheureusement dans une merde aussi, je dépense un, hein, je te paye, on dit pas. Hein. Effectivement. Un quart du salaire que je mérite. Oui, bah tu sais pas, ton salaire il est en sol parce que t'es une femme simplement. Donc tu vas t'asseoir s'il te plaît. Mais pas s'il te plaît, tu vas t'asseoir. Je travaille toute la nuit pour votre supérette qu'elle marche. Oui, bah tu travailles, bon, tu fais des calculs que t'arrives même pas à calculer. Donc tu vas à chaque fois appeler quelqu'un, tu sais rien, tu me fais chier. Mais bon, dès que je prends la relève, dès que je trouve un homme. Oui, bah oui, elle est agressive. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non. Oh putain. Je sens plus sombre. C'est pas possible. Il est mort. Et on fait comment maintenant? C'est pas possible. Putain. On fait comment maintenant? On s'est pas réfléchi là. Putain, ça va puer de mort. Calme-toi, on va trouver une solution. Quelle solution je vais trouver? Je peux pas trouver de solution. On a tout notre temps ici, on est enfermé, on va réfléchir. Un jour ou l'autre, on va sortir, ça c'est certain. Dans le cas, je me dénoncerai à ta place. Ça va pas? Mais non, 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 je laisserai pas faire, c'est pas possible. J'ai trop envie de fumer là, j'en peux plus. Mais j'en ai si tu veux. T'en veux? Ouais. Non, non. Ah mais il est hors de question. Jamais. Non. Mais comment ça, mais elle en veut. Mais c'est moi, j'étais à chaque fois. Non. Mais pourquoi? Mais c'est ça. Mais pourquoi? Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un qui fume dans cette salle. Mais c'est la salle, c'est toi qui paye le loyer ici. Non. Vas-y, j'en peux plus, ça fait 9 heures que je n'ai pas fumé, je vais péter. Rassieds-toi. Mais ne me touche pas, ne me touche pas. Ah si, ne me touche pas, je suis pas ta collègue. Rassieds-toi. Passe-moi les. Mais ça veut dire quoi qu'on fume ou pas? Pourquoi non? Ton cerveau n'est pas fait pour supporter les addictions. Donc il est hors de question que qui que ce soit dans vous fume. Mais je m'en fous. Moi, je vais mourir dans tous les cas. Addiction, pas addiction, ça fait 9 heures. J'ai envie de fumer. Je suis sous le boucan. Je vais péter les plombs. Là, depuis tout à l'heure, je suis gentille avec vous. Mais si je fume pas maintenant, je vais péter les plombs. Je vais me mutiler. Je m'en fous. Addiction, pas addiction, j'en ai besoin. Notre cerveau n'est pas adapté à l'addiction. C'est au niveau d'ici qu'il n'y avait rien. Maintenant, vous avez addiction. C'est bon, allez, pas supporter la bombe. C'est bon. Personne ne fumera ici. Non. C'est bon. Ça va, Einstein, c'est bon. Même moi j'ai soif. On a tous soif, je m'en déterre, je peux plus, j'en ai un pull. Je vous frappe mal. Attends, je suis sûre, on va mourir. En fait, j'ai trouvé une bouteille d'eau, mais c'est la seule. Ah bon?
Bah franchement, merci d'avoir partagé. Mmh. Ouais. J'aurais grave pas partagé, moi. Je serais à côté du mort là, en train de boire. Je trouve que c'est normal. Si on partage pas, comment on va se revivre tous ensemble? Comment on va s'en sortir? Dans ma vie entière, je pensais pas que l'eau ça allait être aussi précieux. Mmh. Mmh. Ah, on est en pleine pénurie. Non, mais c'est même pas le fait d'être en pénurie. C'est que. On était en pénurie, moi je m'en rendais pas compte. Il est plus facile de partager lorsqu'on est en petit comité que lorsqu'on est à distance. Notre cerveau est plus altruiste, égoïste. Et donc si on connaît personne, ben ce sera difficile de partager. Mais là, ça fait quelques heures on est ensemble, on arrive à partager cette petite bouteille. Mmh. Je faisais l'égoïste à acheter par bouteille. Et là, je regrette. Comment on peut faire une restriction d'eau maintenant? C'est vrai qu'ils ont fait la restriction d'eau quand il n'y avait plus d'eau, en fait. En fait, dans tous les cas, il y allait avoir la restriction. On aurait dû le faire avant. On est tous habitués à trop consommer. Les ressources ne sont pas abondantes, donc il faut faire attention. Donc, c'est créer cette pénurie d'eau, de nourriture qui se trouve dans les déchets jetés pour rien. Moi, je l'ai bien remarqué dans les poubelles. Tout le monde jetait ce qu'il achetait en trop. À chaque fois, en fait, les gens prennent tellement plus que ce qu'ils font. C'est fou. On ne pense pas aux autres. Il faudrait que tout le monde change. Mmh. Il a fallu qu'on reste bloqué ici, il faut qu'on s'en rende compte. C'est triste. T'allais bien me faire tête sur toi. Non, mais attends, il va bien aller, Julien, je pense. Vas-y, regarde. Aïe, aïe, aïe. Eh ben voilà. Bonjour, c'est les secours. Ne bougez pas. C'est où la situation? Mais non, écartez-vous. Combien vous êtes? On est 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh là là! Oh monsieur! Monsieur! C'est sûr, hein? Oh là, le crâne rempli de sang! Comment ça? C'est un accident! Oh, il a le crâne ouvert! Il a le crâne ouvert, c'est pas un accident! Mais dis-nous réellement ce qui s'est passé! C'est la seule personne qui est tombée? Ah, parlez! Chacun son tour! Mais chacun il son va tour. Tomber, c'est le tremblement de terre! Dites-moi la vérité, qui l'a tué? C'est un accident! Moi. C'est toi quoi? C'est moi! Comment ça c'est toi? Qu'est-ce que c'est? Tué. Sortez tous. Venez, suivez-nous. Sortez tous. Suivez-nous. Allez, dépêchez-vous. On sort. Allez. Vous allez être très dérangé. Allez.
C'est bon, c'est plutôt.